Moi, je suis bien. Chaque fois que je fais du hors-cours, nickel. Arles 4, 5, 2, 3 minutes et 2. Derrière, voilà. Tout ça pour 10 minutes sur un terrain. Deux fois de plus. Une nouvelle offensive du côté de l'équipe au rayon blanc, l'équipe de Leblanc justement. Cette fois non plus, ça ne passe pas. La défense de Grance est bien présente. Elle réussit à repousser toutes les offensives des Blancs. C'est une nouvelle fois l'équipe de Leblanc qui se présente face au but et cette fois c'est validé l'ouverture du score par et cette fois, on a réussi à passer du côté de Leblanc, mais l'arbitre redonne le ballon au jaune, pénalité numéro 3 donc en faveur des jaunes, et c'est Grand Ouest Provence qui va repartir avec le ballon entre les mains. On va pouvoir effectuer les trois passes supplémentaires et construire une action. Et de s'approcher du cerceau gardé par les Blancs et la passe qui ne trouve pas preneur, le ballon dans le sable. Un fer a été retrouvé sur le terrain 1. C'est une pénalité numéro 3. Accordée. Pénalité numéro 3, donc accordée à l'équipe de Grance. On approche de la fin de la 5e minute de jeu sur ce terrain numéro 1 et c'est l'égalisation du côté de Grance, but inscrit par Jérémy, le numéro 1, le score 1 partout, 5 minutes écoulées, 5 minutes à jouer. Le lancer, c'est Brice. Et le coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui accorde une pénalité, un changement de lanceur, pardon. Le lancer n'était pas droit. C'est donc du côté des jaunes qu'on se chargera de lancer ce ballon. Et c'est un nouveau but accordé du côté de Grance. But inscrit par Mathieu, le numéro 2 de l'équipe au maillot jaune. L'arbitre vient siffler une pénalité numéro 2, le chronomètre a été arrêté, 3 minutes 48 secondes. Et on est reparti sur la pénalité numéro 3 qui a été accordée à l'équipe de Leblanc. On n'a pas réussi à concrétiser sur cette action. C'est
secondes, on récupère le ballon du côté de Leblanc, il reste moins de 10 secondes maintenant dans cette première période de jeu, et c'est un deuxième but, d'accord, on est du côté de l'équipe de Leblanc, but inscrit par Philippe cette fois-ci, et monsieur l'arbitre, c'est la fin du temps réglementaire dans cette première période de jeu. Je vous rappelle que, à l'issue de cette première rencontre, Oh,
Ah, ça fait plaisir, hein, vous avez l'air hyper heureux. Hein. La prochaine fois, vous vous perdez, hein, ça vous retire la banane. Allô. Hey, mommy! Yeah.